population, yon volonté que vraiment son consensus que n'a cherché pour que gon moun qui sorti ou bien m'pa di on moun non mais gon pouvoir yon exécutif qui sorti à partir de entente ça. Sénateur, m'pa konn sou wè ça me l'a dit à part. Bon, c'est même parole n'a dit comme d'habitude ou exprime mieux que moi avec beaucoup plus de calme, vocabulaire plus riche. Mais c'est ça m'a baissé dit à l'heure. Et me demander madame Doum pas la sénateur Lambert hier m'a dit il faut ratisser s'il veut président. De fait, il est président puisque il y a une résolution qui prend sa faveur. Il est capable de dire monsieur sénateur non merci. Il accepte elle. Charge président. Li font des marches auprès de plusieurs partis politiques. Moi du hier vers 2h, il y a une page de signature vers 10h du soir les mon cap voyer moi sur internet. Moi près de 4 pages de signature. Donc à 2h me dit bah ça cap boire l'huile. Et puis, au fur et à mesure, mon abstien. Je n'ai pas l'impression pour courir. Je ne sais pas, un groupe politique, il faut me avaler, il faut me consulter, il ne faut pas me porter n'importe où, n'importe qui moi-même. Je suis leader politique, donc je ne peux pas faire n'importe quoi. Et il y a des gens qui font confiance. Je ne peux pas parler dans notre temps là. Je ne peux pas décevoir les gens qui captent des blagues pour eux. Ceci étant dit, je dis à toi, allez dans la société civile là. Allez voir une fédération protestante, l'église catholique, tout l'autre monde. Ou pas, vous on continue à 100%. On bien, mais faut essayer de jouer un maximum de monde, expliquer un maximum de monde, parce que en final, Marcel, on ne peut pas avoir deux présidents ou quatre premiers ministres. C'est un monde. Oui. Pas quelqu'un monde. Jésus vient là, je veux dire, il pas fait unanimité parce que musulmans ont pas voté. Jésus vient là, il pas fait unanimité parce que protestants n'ont pas voté. Ou bien juifs n'ont pas voté. On comprend bien, oui. Non, c'est ça. Et d'où n'ont pas voté. Vous ne pensez pas que Marcel a fait unanimité? Non, non. S'il dit qu'il n'est pas religieux, là, il n'est pas grand pile de contestation, mais il y a des gens qui ne votent pas voter parce qu'il n'est pas de religion. Et c'est de suite, il n'est pas couleur. Mais c'est tout ça qui fait aussi. Il n'est pas dans la ville, il n'est pas dans la région. Mais c'est tout ça qui fait aussi la beauté des choses. Exact. Donc, moi-même, je dis, président, moi-même, je parle hier, président Sénat, ancien collègue, moi. Moi, je dis, monsieur, faut qu'on parle au maximum. Il faut aller vite et bien. J'ai un docteur, il doit te dire là. Parce que, souhaitant lundi ou mardi, il est trop tard. Je regrette, il est trop tard. Parce que, moi, je fais politique depuis 15 ans là. Ben, on marton, mais j'ai 15 ans, mais lui, depuis 2006, j'ai 15 ans là. Moi, ouais, comment on va faire dans le Parlement? Parce que, en Parlement, c'est côté plus politique dans le pays. Nèg là, du demain, on a parlé. Et puis, il va vrai, j'ai 4 autres réunions par la soirée. Demain, l'homme, je viens pas l'avoir, moi, j'ai arrêté cuit. Là, mettez bureau. Qu'on est pas équipé votre, mais t'es question. Question va briser pour s'il y a plus pouvoir dans le pays. Parce que c'est où on est capable de gérer quoi pour contrôler. Vous comprenez bien? Donc, moi-même, je dis, monsieur, et je dis à pas, je ne vais pas faire promotion pour personne, je ne vais pas dire là, je ne vais pas parler pour vous. Il y a une autre fête là. Donc, moi-même, je pense, faut Sénat, et d'ailleurs, il y a une autre fête, je dis à éviter des sénateurs. Faut que l'on et même le bain, il faut aller pour aller expliquer. On est à mon petit poil question là. Mon n'a pas dit bon même pas dans où si me connais quelqu'un qui parle bien mais mon n'a pas dit mais pas signer pas de problème mais si ou moi imposer feuille de route moi on ca voter pour me veiller il faut des sanctions on va pas mon feuille blanche tout non comprendre et faut mission clairement définie est-ce que Joseph Lambert et Ariel Henry qui deux monde qui désignent jusqu'à maintenant là pour une faction hein une faction société civile là et politique là. Est-ce que, quel est le mandat? Je n'ai pas encore vu le mandat. Quelle est la feuille de route? Je n'ai pas encore vu la feuille de route. Donc, il y a des gens qui connaissent la feuille de route. Nous, même maintenant, nous avons une feuille de route parce que nous avons pensé éventuellement Jovenel t'a démissionné. Nous avons préparé. Qu'est-ce qui va se passer si Jovenel démissionne ou s'en va? Nous, même maintenant, sur la route de ce nous avons un document. Nous avons une feuille de route déjà écrite depuis un an. Donc, nous-mêmes, nous versons déjà. Dans chaque réunion, nous allons. Je vis avec Accor, 5 juin, je verse le débat. Parce que nous disons, je dis à papa, Marcel, on a une belle plume, on ne peut pas aller à Accor politique ou mon feuille de route dans deux temps. Il faut gagner depuis deux mois pour te peaufiner de temps en temps. Nous, notre niveau international, nous avons une feuille de route publique, nous publions le bail tout le monde déjà. Donc, Lambert gagne Lambert. Je veux dire, je suppose qu'il va faire l'autre réunion pour laisser ratisser l'âge. Ce qui est l'autre monde qui voulait. Pas voulait Lambert, non? Qui voulait barrer la route à Ticlode. Vous comprenez bien? Ou même PHTK en face de Ticlode. Parce que Ticlode a fait des ordres. Quoi les ordres? Non, des bêtes à mon ami, Béguy.
Tu as fait pile des soins d'art. Sénateur. Alors, Claude Joseph, Zami, mais pour lui, ça passe. Ah, c'est bien. Ou bien avocat. Ajouter rapidement, sénateur. Ou t'es sénateur, ou connaît que Jodia, 10 sénateurs qu'il a eu, premièrement, par famille politique, c'est PHTK. 8 là au moins. 8 là au moins. PHTK est allié. 8. Sénateur Patrice Dumont. Ou d'accord avec que yo pas joui. Et puis Robert qui sont électrons libres. C'est ça. Yo pas joui. Les 10 sénateurs, yo pas joui d'une bonne réputation. On est d'accord. On est d'accord sur ça. Et puis deuxièmement. Mais c'est yo que là. Silencio et absentio. Mais c'est yo que là. Oui, c'est ça. Et comme taxe soit payé yo là, c'est yo qui permet de tout privilège yo là, comme taxe soit. C'est ça. Silencio et absentio, non, c'est une situation très difficile que population tape vive. Fait en sorte que jodi a niveau de confiance que population gagne dans eux-mêmes, bombe de seconde, oui. Niveau de confiance que population gagne dans eux-mêmes. Donc. Sénateur Patrice Dumont, Sénateur Patrice Dumont, pour le comprendre très bien, ça m'a dit là. Si on bagaille qui doit faire jodi a, que ce soit Lambert, qui a coûté nous là, comme président Sénat, ou reste sénateur, c'est à faire en sorte à ce que toute initiative que a mette sous pied, l'y aller dans le sens de gagner la confiance de la population à travers ces initiatives. Donc si un politicien pas comprendre ça, je dis, aucun problème. Ou moi bye sénateur. Tout à fait. Sénateur Patrice Dumont. Merci. C'est ça, sénateur Patrice Dumont. Oui, bonjour Peggy Jean, bonjour tout le monde. Bonjour sénateur. Alors, on connaît le sénateur Sylvain Benoît Avenon, et en studio actuellement. Alors, pas pour aller trop long, sénateur. Marcel Joseph Latou. Oui, certainement. Marcel Joseph toujours là. Alors, question, c'est qui ça que t'as dû faire dans la conjoncture, ça, sénateur? Moi, y a un consensus historique. Entre représentants diverses formes nations en gagné. Représentants diverses formes, c'est organisations, sociétés civiles qui actifs. Tout le monde capable de mesurer ça. Il y a les RNDDH pour capable de prendre des exemples très clairs. Il y a les CAF pour capable de continuer dans l'exemple. Il y a l'Église chrétienne. Donc l'église protestante, l'église catholique, il y aurait les cultes vaudou, il y aurait les universités syndicats, les familles. Et puis parti politique, tout au moins par exemple, qui t'a participé dans deux dernières élections qui t'a faites. Maintenant, bon état que le mouvement politique là t'a fait face à lui pendant 3 ans, c'était qui couleur constitutionnelle, qui caution institutionnelle et constitutionnelle, yo pral gagner, nous pral gagner pour nous mettre un gouvernement qui entre dans le palais. Nous pas gagner. Non, RPH, Rassemblement des Patriotes Haïtiens, dans réflexion nous avec Mopod, ou bien moi-même tout simplement comme sénateur, nous devinons que pas gagner moyens juridiques, t'as gagné insuffisance de moyens juridiques à mouvement politique qui était depuis avant Jovenel Moïse arrivé dans la limite Madali, selon article 134-2 à 7 février 2021, nous demandons de le démissionner. Malgré mandat fini, il est toujours au pouvoir parce que nous avons insuffisance juridique là. Kounya la, bon possibilité qui était là déjà. Même gagner quelques esprits qui commençaient d'accord avec ça. En nous fait de, pour me parler de tout le monde qui reste sénat, yon allié. C'est seul monde qui était passé devant le peuple là. Quelle que soit position personnelle ou gagner vis-à-vis de chacun des sénateurs, quelle que soit position personnelle ou qu'a gagné sous institution en lui-même, mais c'est un pouvoir d'État. Et à partir du moment où toute force sociale et politique
capable de mettre ensemble avec les forces institutionnelles républicaines, ça, pas valeur individuelle de chaque sénateur, n'a pas les deux, le Sénat. Eh bien, moi, quoi, nous capables de faire ça que nous capables de correspondre à, nous capables de faire correspondre à 1er janvier 1804, là, c'est-à-dire, une action qui a éclat là-dedans, qui a sérieux là-dedans, qui a gagné défense des intérêts de la nation là-dedans, avec un premier ministre que Jovenel Moïse a choisi, donc PHTK. Ça montre que capable de gagner concorde. Nous sommes capables de dire, mais est-ce que PHTK est capable? Toi, parce que lui-même, Joseph Lambert, c'est vraiment, c'est ton allié PHTK. Mais ça montre tout que nous respectons l'institution parce que notre position de président du Sénat que lié, hein, si société civile, si parti politique, yo, une grande majorité dans ça qui est actif, yo, qui est réel, yo, c'est pas représentation que Pétion t'a fait. L'elle t'a besoin de tromper Christophe là, après l'amour de Saline, non? On a parlé de représentation réelle. Donc, nous capables vraiment de constituer un pouvoir de transition sérieux. À partir de ça, on, si yo d'accord, société civile là, parti politique yo, yo d'accord, moi des sénats, et désigner un monde. Et puis, mon sénat a désigné, l'étape bon, c'est Joseph Lambert. Non, mais ça a déjà fait à travers une résolution, sénateur Dumont. Non, mais sénat pas capable de faire coup d'État, non plus. Nous ne sommes pas d'accord que Claude Joseph fait coup d'État, mais sénat pas capable de faire coup d'État, non. Ok. Qui doit sénat pour désigner un président? Non, le vacarie. Qui genre? Ok. Libanon attribution sénat. Ok. Sénat capable d'utiliser légitimité que le gagne, hein, pour réunir les forces. Pour réunir les forces de la société. Et puis, si Lambert sorti là-dedans, tant mieux. Mais il n'a pas qu'à imposer tête les gens l'imposer là-là. Alors, les sénateurs l'ont imposé. Les sénateurs l'ont imposé. Apparemment, il y a des sénateurs. Donnez le premier qui c'est qui, s'il vous plaît. Non, c'est Marcel Joseph. Oh, Marcel, oui. Mon cher, je vous charge d'exprimer au peuple mes sentiments à l'égard de la question nationale. Parce que ça, c'est ça, et vous n'avez pas besoin de mettre en vigueur là-dedans, non? C'est ça, même moi, t'es oublié, salut, sénateur Steven Benoît, Capcon. Non, mais vous ne pas dire qui est-ce qu'il a, je ne pas connaître, moi-même, je ne pas. Non, mais attendez bien, même. Je fais des émissions partiellement parce que je ne suis pas disponible, je suis en réunion, je suis en radio, etc. Je suis en 3000 réunions en seul coup, même avec sénateur Benoît. Oui, c'est ça. Bonjour, sénateur Benoît. Je dis Marcel Joseph, bonjour déjà. Oui, sénateur Benoît. Oui, moi, je dis bonjour, sénateur. Nous continuons la bataille nous-mêmes parce que nous-mêmes, c'est Haïti nous est devant nous. Et je ne toujours dit avant hier dans la réunion de TEA, ce n'est pas bagaille de clan, ce n'est pas bagaille clanique, ce n'est pas bagaille régional pour nous faire, son bagaille pays. Et aujourd'hui, le Sénat reste le Sénat, malgré tout. Et reproche mon cap gain à sénateur X ou Y. Aujourd'hui, le Sénat, j'aime te dire l'autre jour, c'est une institution qui debout. Et le Sénat a un mot à dire. Et je ne t'ai pas les mêmes paroles l'autre jour. Et je dis à. Si nous rencontrons contre le nous rencontrons, nous continuons à dire la même parole là. Et éventuellement, pour nous sauver le pays, les gens qui font consensus pour le président, pour le premier ministre, nous disons bonne chance. De toute façon, nous ne sommes pas candidat. Non. Et moi, participé jeudi soir, c'était jeudi après-midi. Jeudi après-midi, nous étions en réunion qui était gagné au moins 80 personnes là-dedans. Le sénateur Benoît était là. Et. Parole qui t'est parlé là, c'est que faut nous mettons en place un gouvernement qui vraiment a tenu compte de l'intérêt du peuple, la monde qui n'a pas mangé. Ensuite, nous mettons l'institution sous pied. Ensuite, nous mettons sécurité dans le pays. Il y a un mot, premier ministre Honora dit que il n'a pas gagné le choix. Le gouvernement doit être vertueux. C'est, nous ne pouvons pas parler là de Ariel Henry qui pourrait le mettre
et qui va le mettre le diplôme, il était premier ministre. Nous ne parlons pas de Joseph Lambert qui va le dire que bon, il a accompli tout ça pour le faire, tout simplement parce que la bonne fierté, qu'il était président, il était député, il était sénateur, il a bouclé la boucle, et puis vous le mettez belle photo là. Dans le salon la Kaili pour arriver à petit fils qui a dit papa m'était député, grand-papa m'était sénateur, grand-papa m'était Ariel, grand-père m'était président. Il ne s'agit pas de Joseph Lambert, il ne s'agit pas d'Ariel Henry, il ne s'agit pas de Peggy Jean, il ne s'agit pas de Patrice Dumont. Il s'agit, au moins pour aujourd'hui, de la nation. Moi-même, moi, quoi, si monsieur qui galvaude des pays, hein, faut comprendre. Moi, je fais deux catégories mots. Globalement, on ne peut pas chercher l'autre catégorie, même pour deux catégories mots dans toutes les langues. Il y a les mots qui expriment la tendresse et qui flattent l'émotion, du genre que vous êtes élégant, du genre ou belle en pile, du genre ou qu'on est que ou fait me remet, ça y est, c'est pas qui ça. Yo, utile, oui. Mais c'est dans l'émotion, oui. Mais les mots graves, c'est eux-mêmes qui doivent traverser nos jours. Les mots graves, c'est les mots pour la nation, c'est les mots pour le peuple, c'est les mots pour le travail, c'est les mots pour le bien public, c'est les mots pour le sauvetage national, c'est les mots pour interlocuteur international, c'est les mots pour la souveraineté nationale, c'est les mots qui permettent nous parler avec Madame Lalim, en tout respect que nous gagnons pour un monde, pour une femme ensuite, et puis pour un représentant de l'ONU, pour nous dire que c'est